Ouais, salut les petits gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Black Ops Cold War pour la partie 4 de la campagne. Juste avant que la vidéo commence, je vous invite à vous abonner pour éviter de louper les prochaines vidéos sur la campagne. Et vous pourrez retrouver sur la chaîne les anciens du coup. Donc voilà, c'est parti, je sais plus. Ouais, reprendre. C'est parti, ça charge. On va voir ce qui nous attend. Dans l'ancienne partie, on était du coup, on avait infiltré une base soviétique. On doit savoir ce que Perseus prépare avec cette bombe. Park, on n'a rien d'autre dans les papiers que Bell et Woods ont rapportés de la base. J'y vois le nom d'un site d'excavation dans l'Oural, au mont Yamantao. D'après notre agent au KGB, c'est une opération active. Le Yamantao. Je pensais que Hudson et Weaver avaient enterré cet endroit depuis des années. C'est le cas. Perseus veut récupérer l'ordinateur central. Dragovich et Steiner ont sûrement dû glisser des trucs sympas. Steiner. Envoie Woods et moi. T'es trop impliqué, Bessa. On n'a pas le droit à la moindre erreur. Connerie. Tu sais que personne d'autre ne peut faire ce boulot. C'est moi qui choisis. Et je veux Mason et Woods. Trouver l'ordinateur central avant Perseus. Je vais contacter Belikov, notre agent au KGB. Il nous aidera pour la logistique. À dire vrai, il vaudra peut-être même piloter l'hélico lui-même. Je sais pas ce que Perseus veut au Yamantao, mais je le veux plus. C'est du Zef. Le premier bâtiment se trouve juste après cette crête. Merci Dimitri, on se recontacte quand on aura trouvé l'ordinateur. Woods, tu sais ce que le KGB fait aux agents doubles? Non? Da! S'il gagne cette saison, je sourirai même au peloton d'exécution. Hé! Hey, j'ai juste une heure de carburant. Après ça, tu devras te trouver un autre taxi. On se met en route, Mason! Snipe. C'est lui notre taupe. Te laisse pas berner par l'odeur de vodka et de caviar au rabais. Dimitri est plutôt fiable. Il sait où tous les cadavres sont enterrés. On peut dire qu'il en a enterré la moitié. Tac, je lui ai atterri sur le cochis. Apparemment, infiltration encore, hein, en vue des silencieux. Attention, des éclaireurs sur la crête. Faut qu'on les tue avant de pouvoir s'approcher. Belle exécution. Pas mal. On avance. Occupe-toi d'un connard, moi je prends l'autre. On se fait contourner! Belle exécution. Pourquoi il gueule, cet idiot? Merde, j'aime pas ça. Mais bon, si c'est bon pour les cocos. Passe devant. C'est l'heure d'aller saluer Ivan. C'est un mec. L'ancien bâtiment des communications. Toujours là après tout ce temps. Enfin presque. Recharge Michel. Ils ont des snipers. Te fais pas repérer. Ne montre pas. Joue la discrétion. Thank you.
péter les rouleaux, lui. Bien joué. Quoi d'autre ? On se les ferme, ça, on en parle plus. Voilà. Quand tu veux, tu... Oh là là, n'importe quoi. L'ordinateur pour extraction. Site de fouille numéro 7. Faut qu'on se bouge. Heureusement que j'ai pas le vertige. Oh, l'ingénierie soviétique dans toute sa splendeur. Il va se péter la gueule. Sûr, il se pète la gueule. Même pas, putain. Mais pourquoi tu gueules, enculé ? Vas-y, lui, il est pas discret. Bout de bois, la wouze, là, enculé. Ça retrouve à rien. La salle de l'ordinateur central. On va traverser sur ce cap. Les rouges près de l'hélipad ont l'air armés. Je voudrais mieux les abattre avant de traverser. Toi, tu vas arrêter de me tirer dessus tout de suite. Qui s'est fait enculer. Ça picote, non? Mon putain de flingue. La prochaine fois, tu passes devant. Je vois un tunnel ici. Tu devras trouver un autre moyen d'entrer. Bien sûr. Attention. Woods. Ah, super. Bon, va falloir que je retrouve un gun parce que... Canif. Monsieur, où il posait ce canif? Black Ops 1. Tu sais, il retape une phase. Это место было заброшено после схода лавины.
Я слышал, что при раскопках были найдены тела с пулевыми ранениями. Ты хочешь сказать, что наше начальство скрыло вражескую атаку на советской земле? Лавины не стреляют в людей. Я в любом случае. Нам пора идти. Ты что, боишься людей? О, мисс Ромас, я могу заблудиться и замерзнуть насмерть, слушаю твои идиотские байки. Давай уже закругляться с обходом. Je sais pas si je fais le thug et je me l'ai fait ou. Bah ouais, mais si je mets une grenade, c'est pas verrouillé du coup. Bon bah si. Si je dois continuer à rester discret ou si on s'en bat les couilles. Bon vas-y, eux ils gênent pas pour tirer. On va pas se gêner non plus. Sa mère. Pas truc à péter là. C'est les bobines de BO1 hein, ça. C'est par là que je dois aller, mais... Par ici.
Avec le boucan que t'as fait, je suis surpris qu'on ait pas toute l'Union soviétique sur le dos. Ouais, bah, ils sont pas gênés non plus, alors... T'es bien amusé. C'est pour ça qu'on fait. Ici, chef. Ouais, la péta, putain. Mais ça va être sur le dos. Cherche quelque chose qui pourrait soulever un ordinateur central. Tu vois des sites de fouilles? Bah, y'a une grue, quoi. Si je me trompe pas sur cette carte, oriente-toi de quelques degrés à gauche, plus au nord. Là, c'est quoi? Bingo. Cette grue correspond au site de fouille sur cette carte. C'est là qu'on doit aller. T'as trouvé l'ordinateur? Il y a une grande grue sur le côté ouest de la base. Prépare ton treuil. Comment ça, mon treuil? Désolé, je t'entends mal. Ils ont une grue, on a un hélico. Genre avec les mains comme as, genre. Vas-y, 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 sors le pont. Laisse pas enchaîner. Tiens, on est bidon. Couillon celui-là. Pas 4 fois que je le bute, lui. Fermez ton hélico. On n'appelle pas ça un hélico d'attaque pour rien. Enfin. Ah, un vrai feu d'artifice, pas vrai? C'était un plaisir. En bas. Moi, je vais tout péter avant qu'il me le fasse péter à la gueule. Tout lui faire. La tuile. Mais Rico, il fout quoi, putain? Oh, le fils de pute. Ça va, je prends une vue d'ensemble, tu vois, de perspective. Oh,
Putain, j'ai plus le snipe. Cette saloperie a intérêt à tenir cette fois. Non. Ah ouais, mais j'ai pas rechargé les petits gars. Passe devant moi encore. Wood, je suis au site d'évacuation. Tu es prêt? On te voit, Dimitri. Accroche-toi. On n'a plus le temps. Il faut sauter. En avant, maçon. Grouille-toi, ouais. Moi, s'il faut, je descends de deux, hein, mais bon. C'est quoi là, qui s'affiche là? C'est quoi tous ces trucs-là verrouillés? J'aimerais bien savoir comment on les ouvre. T'arrêtes pas! Il est grand cet ordinateur? Parce que s'il est trop grand, on pourra pas le soulever. Il descend au calme, moi je le fais soulever. Là, me faire chier. Dimitri, on est en position. Abaisse le truc. Je l'abaisse. Ça gigote un peu. Hein. Non mais Le poids n'arrange pas trop nos affaires. Accélère un peu, Bellicop. Mais ouais, c'était sûr, putain. Gigote trop, vraiment. Au pire des cages, je vais me mettre dans le coin alors en mode à couvert un petit peu là. Attention là-haut! Le poids n'arrange pas trop nos affaires. Oh, allez, accélère un peu, Bellicop. Enculé de chaud. Mais redescends cet idiot là. C'est bon Dimitri, ramène-nous. Ouais, la technique du coin, ça marche nickel. Hudson. On a analysé l'ordinateur que Mason et Woods ont ramené du Yamantau. Et Perseus cherchait les noms des agents dormants qui bossaient pour Dragovitch en 68. Donne-nous les noms. On va envoyer l'équipe d'Adler sur leurs traces. Perseus les a effacés. Eh merde. Il ne reste plus qu'un seul endroit où trouver cette information. Le bâtiment de la Lubyanka. Attends, le QG du KGB? Pourquoi Perseus n'est pas allé les chercher lui-même? J'en sais rien. Peut-être qu'il agit sans autorisation. Je vais prévenir Adler. Mais faut faire ça dans les règles, ou pas le faire du tout. Ça rame toujours autant.
Bon, du coup, on est à quoi, 25 minutes à peu près? Est-ce qu'on en fait une autre ou bien... D'habitude, les épisodes font au moins 30 minutes. Si j'en fais une autre, ça se trouve, ça va durer une heure. Donc, dans tous les cas, je pense que dans le week-end, on aura une petite vidéo zombie. On va se faire un petit... Viens me prévenir. Un petit zombie avec mon pote Dobson. Vous connaissez le plan. Belle, avec moi. Lazare, prépare-toi pour l'exfiltration. Tu l'amènes au KGB avec toi? T'as perdu la tête? Dis-le au traître, qu'est-ce qu'il raconte? J'ai pas besoin de Mason ni de vous, j'ai besoin de Bell, il a les compétences qu'il nous faut. Ça t'amuse? Tu mets en péril toute l'opération inutilement. Il va se remanger une patate. C'est pas inutile, c'est parfaitement calculé. Sache que si tu te plantes sur ce coup, on peut dire adieu à ces noms. Terminé. Belle, je sais que tu peux le faire. Hudson ne fait pas confiance aux gens qu'il ne peut pas contrôler. FDP. Ouais, donc du coup, je pense que ouais, je vais vous sortir une petite vidéo zombie dans le week-end. Avec mon pote Dobson, on va en faire un petit peu là, parce qu'on a joué un petit peu dessus, et du coup, c'est vraiment pas mal. Donc je sais pas encore si je vous fais une vidéo entière gameplay, ou en mode un petit best-of, avec les meilleures actions, tout ça, les manches passées et tout. Je sais pas encore, mais bon, on verra de toute manière. Donc pour pas la louper, ben vous connaissez, hein, abonnez-vous. N'oubliez pas la petite cloche des notifications, tout ça, le petit like. N'hésitez pas aussi à me retrouver sur mes réseaux sociaux, donc Instagram et Twitter. De toute façon, tout est en description. Donc voilà, en tout cas, moi je vous laisse là-dessus et puis je vous dis à la prochaine.